Baptiste, évoqué à l'occasion de la fête de sa nativité, s'inscrit dans toute l'histoire du salut. Et c'est peut-être pour manifester cette inscription toute particulière de Saint Jean-Baptiste dans l'histoire du salut que l'Église célèbre sa nativité. Évidemment, cette naissance n'est pas fortuite, mais elle a vraiment une place de choix dans l'histoire du salut. Alors chacune de nos nativités a une place de choix, mais elle a vraiment une place de choix dans la perspective, évidemment, de l'incarnation rédemptrice, de ce qui fait que Jean-Baptiste, à proprement parler, est bien prophète, c'est-à-dire appelé à manifester la présence de Dieu au milieu des hommes et des femmes du peuple d'Israël, pour toute l'humanité. Car c'est bien là l'enjeu de toute la vie du prophète, c'est de ne pas simplement préparer l'avènement du Seigneur dans les cœurs, préparer sa venue seulement par ses paroles, mais aussi à travers toute sa vie. On pourrait dire que Jean-Baptiste vit sa parole prophétique et que sa parole prophétique dit ce qu'il est profondément, existentiellement, dans son être, jusque dans sa chair, qu'il offrira en martyr, annonçant déjà la mort même de celui qui a charge, qui la charge précisément d'annoncer et de prophétiser. En méditant ce texte, je me disais que cette figure de Jean-Baptiste nous interpelle particulièrement du point de vue de notre vocation baptismale de prophète, bien sûr. Elle interpelle particulièrement les moines, les religieux, les religieuses que nous sommes dans la dimension prophétique de notre vie religieuse, monastique. Cette figure, elle interpelle aussi particulièrement les prêtres dans leur ministère prophétique, qui ne réside pas simplement et seulement et uniquement dans leur prédication, mais aussi dans ce qu'ils incarnent dans leur vie. Préparer les chemins du Seigneur. Y a-t-il mission plus belle que celle-ci? Préparer la venue du Seigneur dans des cœurs, dans un cœur. C'est peut-être au fond une des joies les plus grandes pour un prêtre, sans doute pour un religieux et une religieuse, de pouvoir préparer l'adventus, la venue, l'avènement de la présence du Seigneur dans le cœur d'une personne, que Dieu met sur sa route, que Dieu lui confie. Y a-t-il mission plus belle que celle-ci? Et mission plus belle jusque dans la part de retrait qu'elle va impliquer. Parce qu'il y a la joie de préparer le terrain, il y a la joie de venir, de voir venir, advenir la présence du Christ dans un cœur, peut-être à travers une conversion ou que sais-je. Mais cette joie, elle doit, et Jean-Baptiste nous le dit bien, se prolonger dans l'effacement qui est demandé à celui qui a eu à vivre par grâce ce ministère prophétique, de savoir aussi se retirer lorsque le Christ est là. Et de consentir à ce retrait, à cet effacement, où d'autres, peut-être, que le Seigneur mettra sur la route de tel ou tel, prendront le relais, qui sait. C'est la joie de Jean-Baptiste, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et là, il y a un vrai combat en chacun d'entre nous,
Si le Seigneur nous fait la grâce de vivre cela, c'est pas simple de se détacher de sa propre place dans la conversion d'un cœur vers le Seigneur. Oui, c'est douloureux, c'est sûr, c'est douloureux, mais comme un enfantement. Jean-Baptiste a souffert et quelque part, il a permis au Christ d'advenir dans sa souffrance aussi. Il est mort martyr, il a donné sa vie pour que le Christ advienne. Est-il bien celui qui doit venir ? Oui, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Jusqu'à se retirer complètement. Et c'est là que nous voyons combien nous sommes tellement attachés au don de Dieu. Combien nous sommes attachés, combien nous sommes tentés de faire nôtre les dons de Dieu, nos propriétés. Mais le Christ n'appartient à personne. Et le cœur dans lequel le Christ advient n'appartient à personne. Si ce n'est qu'à Dieu seul. Et surtout pas à celui qui a préparé son avènement. Voyez, et c'est là, et je m'arrêterai là-dessus, et je vous laisse avec cela pour méditer et prolonger la méditation de cette place de Jean-Baptiste dans l'histoire du salut, dans l'avènement du Christ. C'est là où Jean-Baptiste, sans aucun doute, fait écho, sa figure, à celle de saint Joseph. On observe chez lui le même retrait face à l'avènement du Christ. Faut accepter. Faut accepter. De savoir aussi se retirer pour que le Christ advienne. Et pour laisser le Christ continuer à advenir dans un cœur. C'est la joie de l'époux. C'est la joie de l'ami de l'époux. À la venue de l'époux qui advient. Mais oui. Alors puissions-nous être ces amis de l'époux à l'image de saint Jean-Baptiste, à l'image aussi de saint Joseph. Jetons-nous totalement dans cette mission prophétique qui est la nôtre, de préparer l'avènement du Seigneur dans des cœurs, et sachons aussi nous retirer quand le temps de l'éclosion adviendra, et sachons demeurer, quoi qu'il en soit, toujours dans la joie et l'action de grâce devant le printemps qui advient dans un cœur par la présence même du Christ. J'aimais beaucoup cette phrase d'une bienheureuse. Dans un cœur où le Christ advient, c'est toujours le printemps.